Coucou tout le monde! Alors, suite à une question que Caroline m'a posée sur ma page Facebook, j'ai décidé de vous faire un mini tuto sur la façon dont je pose mes aimants. Alors, pour cela, j'ai déjà prédécoupé une page de brouillon pour vous expliquer un peu. Alors, j'utilise des aimants qui font 1 cm par 1 mm. Vous pouvez utiliser des aimants plus gros si votre page est plus lourde et si vous avez des papiers décor qui sont un peu plus lourds avec plusieurs épaisseurs. Alors moi, j'utilise du double face, que j'utilise très très souvent. Je l'achète chez Action, tout simplement. Alors, je pose mon aimant de cette façon-là, à l'intérieur, ici. Ensuite, je prends un autre bout de scotch, que je vais poser par-dessus, face collante vers le haut. Et là, je vais poser mon aimant, hop, et ensuite, je ferme. Voilà, tout simplement. Et on a une page qui ferme. Alors pour fermer une cascade ou pour fermer une page, on peut avoir aussi ce genre de petite bande. Et on fait exactement la même chose. Alors, on prend un aimant. Hop. On met du scotch. On prend une autre bande de scotch. On glisse l'aimant par-dessus. Et à ce moment-là, hop, voilà. Et là, c'est pareil, notre bande va être fermée. Par-dessus, on collera notre papier décor pour cacher les aimants, bien entendu. Alors, je vais également vous montrer ce que ça donne dans un album que j'ai déjà fait. Donc, vous vous souvenez, celui-là, c'est mon album Cosmos. J'en ai fait la présentation vendredi. Alors, par exemple, ici, sur la page d'en dessous, je n'ai pas posé d'aimant. Voilà. Par contre, j'en ai posé un sur le dessus, ici et là. Voilà. Ça permet d'économiser des aimants et de fermer juste la dernière page. Hop, voilà. Comme ça, ça tient quand même. Ensuite, ici, on va fermer la page de la même façon, avec un aimant ici et un aimant là. Voilà, sous la page sous le papier décor. Et ça ferme la page. Pareil pour ici. Je ne vais pas utiliser d'aimant là et là. Par contre, je vais en utiliser un ici. Hop, voilà. Ici, ça va être la même chose. Je vais en utiliser un ici pour fermer là. Par contre, je n'en utilise pas à l'intérieur. Mais ici, à l'extérieur, j'en utilise un quand même. Ici, j'en ai utilisé un aussi pour fermer ma page. Voilà. Et à chaque fois, je cache mes aimants sous mon papier décor. Et le dernier, c'est ici. J'en ai mis un là, un ici, et hop, on ferme ça comme ça. Ensuite, j'avais utilisé aussi cette petite astuce des aimants, au mois d'août, je ne sais plus, bref. Et j'avais collé, hop, un aimant ici, sur cet album-là, un aimant là sur mon tag, et hop, comme ça, j'avais un joli tag aimanté, tout simplement. Voilà, c'est aussi une petite astuce qu'on peut utiliser dans un album pour avoir des jolies décos. C'est assez bluffant. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et à partager mes vidéos. Mettez un pouce bleu également. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!